J'ai déjà eu quelques entretiens avec le chef de mission d'observation de la CEDEAO, qui était un ancien président de transition de la Guinée-Bissau et président de l'Assemblée nationale, qui m'a fait part comment sont déroulés dans la calmie. On félicite le peuple frère du Bénin. On a échangé avec M. le président beaucoup de sujets concernant notre espace commun, qui est la CEDEAO, notre famille ouest-africaine, dans le domaine de la sécurité. Que vous savez, l'aspect de sécurité, ce n'est pas seul au Burkina, au Mali et de quels autres pays. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est concernée de ça. On a beaucoup changé sur cela. Et le président, il a donné ce point de vue que ça nous intéresse beaucoup, ce point de vue par rapport à la stratégie et les mesures qu'on doit prendre, sa contribution qu'on doit prendre au niveau de la CEDEAO. Et je félicite M. le Président pour cette idée qu'il a. Et je pense que Bénin, c'est un pays qui pèse beaucoup au sein de notre famille, la CEDEAO. Et nous sommes famille aussi au sein de Wemoa, aussi, que Bénin est membre fondateur. On a échangé cela. Donc je suis venu après Burkina Faso pour le faire part aussi. Qu'est-ce que j'ai échangé avec le président de la transition de Burkina Faso en tant que président du Bénin qui est membre de la CEDEAO. Et je le ferai avec tous les autres chefs d'État. Et encore, je vous souhaite mes meilleurs vœux et félicitations pour les élections qui viennent durer dans la paix et stabilité du Bénin.